moment est solennel. La présentation du drapeau national et le port d'épaulettes pour ces animaux de brousse, désormais insérés dans la vie militaire. Avec leurs nouveaux apparats, ces élèves auront pour obligation de prendre part à la montée ou à la descente du drapeau. Cette cérémonie, sa solennité, marque l'entrée de ces enfants dans la communauté, voilà, des enfants de troupes du Britannique militaire. Donc à partir d'aujourd'hui, ils deviennent enfants de troupes. Ils ont passé l'étape de animaux de brousse où ils étaient dans une période fermée et aujourd'hui ils deviennent enfants de troupes. Et ensuite, il y a aussi la symbolique de la présentation au drapeau de notre pays. Voilà. C'est dans une ambiance synchronisée au millimètre près que les parents venus pour la circonstance ont pu constater la métamorphose de ces enfants qui font partie de la promotion médecin général Christine Essomo Menyembot, commandant de l'école d'application du service de santé militaire. Les enfants sont baptisés. Également aussi, on peut retenir le fait que les enfants de troupe ont porté les épaulettes, ensuite l'insigne de l'école et le béret de l'école. C'est la symbolique qui traduit effectivement que désormais ils sont enfants de troupe. Et la troisième étape aussi, c'est celle du défilé, et défilé avec la chanson, c'est-à-dire que l'hymne de l'école. Cette cérémonie marque donc le début d'une formation basée sur le goût de l'effort, la capacité d'adaptation aux principes de vie en communauté, la culture de l'excellence, l'amour du pays et du continent africain, la passion pour le métier des armes au prix de nombreuses privations.